Bien, auditrices et auditeurs de la voix de la démocratie congolaise, la voix du peuple et d'expression libre. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes sur votre radio pour vous présenter une émission de qualité. Là, nous faisons allusion, comme d'habitude, à des intellectuels congolais qui évoluent à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons dans nos murs Monsieur Gaspard Hubert Lonsi Koko. Ces derniers et de la diaspora congolaise évoluant à Paris, en France. Monsieur Gaspard Hubert Lossi, il est président d'Union du Congo, c'est-à-dire PDC. Il va essayer un peu d'élaborer là-dessus. Il est porte-parole de RDPC, c'est-à-dire Rassemblement pour le développement et la paix au Congo. Il écrit aussi, il est essayiste de beaucoup d'éléments et surtout il se consacre beaucoup sur le socialisme dans le nord-sud. Monsieur Gaspard, bonjour. Bonjour, monsieur Yembe. Très heureux de vous trouver dans nos murs aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez essayer un peu d'élaborer sur le poste que vous occupez? Vous êtes président d'Union du Congo, que cela signifie? Vous êtes porte-parole de Rassemblement pour le développement et la paix au Congo. Comment êtes-vous impliqué dans ces activités et qu'est-ce que ça fait pour le Congo? L'Union du Congo, c'est déjà une plateforme d'associations congolaises œuvrant pour les relations nord-sud, notamment pour tout ce qui est développement République démocratique du Congo. Donc, nous essayons, par rapport à notre présence en Europe, d'agir surtout dans le cadre du développement, de la coopération, pardon, décentralisée. Quant au RDPC, on est des citoyens et la République démocratique du Congo est en train de se chercher sur le plan politique. Donc, c'est une activité purement politique qui nous permet de pouvoir intervenir, de pouvoir faire des propositions par rapport au devenir du pays. Voilà, en gros, brièvement, comment nous articulons entre ces différentes structures. D'une part, ce sont des actions citoyennes et d'autre part, c'est des actions militantes, mais dans des entités distinctes, différentes. Alors là, si nous vous suivons très bien, vous êtes un politicien. Oh, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Tout à Je fait. suis citoyen militant politique. D'ailleurs, j'ai été pendant une dizaine d'années cadre du Parti socialiste français. Donc, je suis avant tout militant politique. Mais aussi, en tant que citoyen dans des pays qui se cherchent sur le plan économique, sur le plan culturel, nous menons aussi des actions associatives. Ok, c'est très bien. Alors, concrètement, quelle analyse faites-vous de l'actualité politique au Congo pour l'instant? Pour l'instant, l'actualité est dominée d'une part par les divergences, les différends, disons, par rapport à la légitimité du pouvoir en place, mais aussi la situation en cours à l'est du pays avec les négociations à Kampala, mais aussi le troisième volet, c'est les dialogues inter-congolais qui aura bientôt lieu. Donc, ce sont pour moi ces trois éléments qui constituent l'actualité en ce moment au pays. Alors, si vous reconnaissez qu'il y a trois éléments majeurs pour l'actualité du pays, essayons de décortiquer ces éléments un à un. Quelle analyse faites-vous sur ce qui se passe à Kampala? Ils appellent ça négociation entre M23 et le gouvernement congolais. C'est vraiment utile que ces gens se retrouvent pour parler, et encore moins sur le sol ougandais, et parler de quoi concrètement? Je comprends l'essence de votre question et la situation est très très complexe, effectivement, dans la mesure où on a affaire à une agression, ça il faut le dire, C'est ça. et aussi on a affaire à des criminels. On va se demander est-ce qu'on doit négocier avec des gens qui vous agressent chez eux, est-ce qu'on est en droit de négocier avec des criminels? C'est ça. Donc, d'entrée de jeu, moi, je dirais non, je répondrais non à ces deux questions. Mais il se trouve qu'on est en situation de guerre et que nous n'avons pas d'armée aguerrie efficace pour pouvoir défendre le territoire. Que doit-on faire?
Je pense qu'en politique, le siège vide n'est pas conseiller. Et la politique a toujours horreur du vide. Et quand on est acquis le dos au mur avec une armée inefficace et qui n'est pas en mesure de rétablir la paix, je pense qu'il fallait aller à Kampala. Mais aller à Kampala ne veut pas dire qu'il faut aller dire oui à tout le monde. On peut discuter avec les gens, on peut échanger avec eux sans pour autant répondre, donner une réponse positive à leur demande, d'autant plus que ce sont eux les agresseurs. La seule chose qu'on peut se demander, est-ce que le M23 est composé des Congolais? Wow. Si ce sont des Congolais, il y a des lois, et il y a des lois qui régissent ces pays. Et les gens du M23, dans ces cas, ont violé la constitution congolaise. Dans ces cas, ils sont passibles devant les tribunaux congolais. S'ils ne sont pas des Congolais, dans ces cas, il faut qu'on le sache et on sera en droit de démontrer que le pays est agressé par des forces extérieures. Voilà la seule chose qu'il faut, comment il faut envisager les choses. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il fallait aller à Kampala, non pas pour dire oui au M23, non pas pour dire oui au médiateur, puisqu'il est juge de parti en même temps, mais tout simplement pour essayer d'aller expliquer la position congolaise et essayer aussi d'externaliser ces pourparlers. Moi, je ne parle même pas des négociations, mais des pourparlers. Parce que je pars du principe que Kampala n'est pas le mieux placé pour pouvoir être l'arbitre. Il faut qu'elle s'essaie pour parler, se fasse ailleurs, dans un terrain neutre, pour qu'on puisse au moins essayer d'obtenir un gain de cause dans cette histoire, qui est une histoire qui concerne une agression d'un pays par d'autres pays. Alors, si c'est une agression d'un pays par d'autres pays, pourquoi aller discuter avec les malfrats? Parce que ces gens, ils sont connus, et même le gouvernement congolais les a appelés plusieurs fois les forces négatives en même temps que les Nations Unies. Mais si ces gens, ils sont constitués de la force négative, pourquoi leur donner cette importance de se mettre autour de la table avec eux? Mais là, vous prêchez un convaincu. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je pars du principe qu'on ne peut pas négocier avec des agresseurs. Et on ne peut pas négocier avec des criminels. Mais est-il que le gouvernement a commis l'erreur d'aller à Kampala, il fallait aller jusqu'au bout, mais pas pour dire oui, pas pour répondre aux exigences des M23. Pour moi, s'ils sont congolais, c'est une affaire entre congolais. Donc, il y a des lois congolaises qui sont en droit d'être appliquées. Donc, ils doivent répondre devant les tribunaux congolais. S'ils ne sont pas congolais, donc il y a agression et ça ne sert à rien d'aller négocier avec des gens qui vous agressent et chez eux. Il faut, dans ces cas, un arbitrage de quelqu'un qui est neutre. Or, à Kampala, tout est faussé. Mais ceci dit, si le gouvernement congolais, je peux essayer de comprendre que comme militairement, on n'est pas en mesure de se défendre, je pense qu'ils sont allés pour essayer de défendre les choses diplomatiquement. Mais je pars du principe que quand on se trouve entre les crocs d'un crocodile, on ne peut pas négocier avec lui. Dans ces cas, il faut les faire danser pour qu'il rien ne sorte de pour parler de Kampala et que la négociation se fasse ou ailleurs, ou alors, s'ils sont congolais, qu'on puisse aborder des problèmes congolo-congolais dans le cadre du dialogue intercongolais. Il est connu que le Congo est agressé. Et voilà qu'il y a des citoyens congolais, bien connus congolais, qui vont se greffer sur ce groupe de gens qui sont en train de causer du tort à leurs frères. Que dites-vous? Bon, moi, je suis politique. Moi, je ne me situe pas dans la mouvance en place au pouvoir. Je suis un opposant. Et je pars du principe que ce qui, je vais dire là maintenant, relève plus du patriotisme que de l'appartenance politique. Ouais. C'est comme si vous, M. Kayembe et moi, nous nous disputons le matin et qu'à midi, la raison prend feu. Je vous vois en train de jeter de l'eau sur la maison pour éteindre l'incendie et moi je croise les bras. Je ne peux pas agir comme ça. Je me mettrai avec vous pour éteindre le feu et on réglera nos divergences après. Donc je pars du principe que même si on est de l'opposition, on ne peut pas s'associer avec des gens qui agressent les pays. Il doit falloir que nous nous dépassions, nous mettons un peu de côté nos différends pour pouvoir défendre le territoire national et après on verra ce qui peut se passer par la suite. N'ayons pas la mémoire courte. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est le remake de ce qui s'est passé en 97
avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila dans les bagages des Rwandais et des Burundais. On voit les résultats, on paye le prix le plus fort pour avoir amené des étrangers chez nous, venir nous libérer d'un régime qui était là. Et si nous retombons encore dans le même rêve, ces gens-là ne viennent pas pour nos beaux yeux, ne viennent pas pour nous intéresser. C'est un discours mieux pour nous faire croire qu'ils sont là pour un changement démocratique au Congo, mais en fait, ils ont des calendriers derrière. Je pense que les Congolais, nous devons avant tout avoir un réflexe patriotique, sauver le pays, et après, on réglera nos problèmes entre nous. Alors là, ça m'amène au quatrième point, donc je vais enjamber le deuxième point pour aller au quatrième point. Nous parlons ici du phénomène combattant. Les combattants, eux, ils disent, quoi qu'il en coûte, qu'il y ait M23 ou pas, le pays après, d'abord que Kabila parte. Est-ce que vous épousez cette façon d'agir? Bon, moi je pense qu'on avait dit la même chose en 97 par rapport à Mobutu, hein. Et on est en train de le payer. Je ne dis pas que Mobutu devait rester au pouvoir. Nous tous, nous avons connu nous avons été des victimes de ces régimes. Mais je pense qu'on pouvait faire partir Mobutu entre nous, d'autant plus qu'il était souffrant, il était à la fin de sa carrière. On pouvait régler le problème entre les Congolais. Et je parle du principe qu'aujourd'hui, au moment où le pays est très, très déstabilisé, faire un coup d'État, il faut avoir la capacité de sécuriser les territoires tout de suite. Si nous avons une armée compétente pour pouvoir fermer toutes nos frontières et régler les choses à l'intérieur, à la limite, ceux qui sont pour la voie du coup d'État peuvent agir. Mais je n'ai jamais été partisan de prendre les armes pour changer un régime aussi injuste soit-il. Mais je pense que si on choisit l'option coup d'État, il faut que nous ayons une force capable de sécuriser l'ensemble du territoire. Sinon, si nous ne l'avons pas, nous allons perdre le Kivu. C'est absolu, mais nous constatons avec regret que nous avons l'intelligence congolaise qui, un groupe semble être déboussolé et un autre groupe qui semble s'éteindre. Donc, jouer la culpabilité pour laisser la place aux jeunes qui ne savent pas ce qu'ils cherchent puisqu'ils sont désorientés. Il y a la haine qui s'installe. Il y a vraiment tout ne semble pas marcher entre les Congolais. Je peux comprendre ces jeunes gens. Hein. Vous savez, même dans leur brutalité, même dans leur amateurisme, ces combattants ont beaucoup œuvré et ils sont pour beaucoup si aujourd'hui la RDC n'est toujours pas balkanisée. À leur façon, ils jouent un rôle considérable pour pouvoir alerter l'opinion internationale. Mais je pense aussi que ce sont des affaires d'État. Et que nous devons avoir la maîtrise. Nous devons laisser l'émotion de côté pour travailler froidement et voir comment nous pouvons sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Et c'est là qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir agir. Et il y a ceux qui peuvent faire des manifestations, ceux qui peuvent dire des choses. Mais il faut aussi que nous, les Congolais, nous ayons la capacité d'avoir un lobby puissant des choses qui vont se faire en douce. Ce qui se passe à l'est du Congo nécessite une diplomatie efficace, nécessite, à mon avis, un changement d'alliance. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On s'intéresse aux richesses de la République démocratique du Congo. Alors, nous savons très bien qui sont derrière les Rwandais, qui sont derrière les Ougandais, les Burundais. Alors, donnons-nous la peine et l'intelligence d'échanger les alliances. Allons voir ce qui les manipule pour savoir ce qu'ils veulent réellement. S'ils veulent, ils s'intéressent à nos richesses et qu'ils viennent traiter directement avec les Congolais plutôt que de tuer les gens. Il y a un génocide à l'est du Congo. Plus de 6 millions de morts. Si on prend avec les dégâts collatéraux, c'est à peu près 10 millions de morts. Donc l'équivalent de la population du Danemark qui est effacée de la carte géographique congolaise. Donc il va falloir que nous puissions agir intelligemment. Nous n'avons peut-être pas l'armée aguerrie pour notre territoire, mais nous ne manquons pas, nous sommes suffisamment intelligents pour pouvoir régler cette chose de la manière la plus efficace possible. Oui, bon, revenons à l'intelligence, donc c'est-à-dire l'intellectuel congolais. Il semble être absent dans ce système, puisqu'on voit seulement des traits qui tombent sur l'Internet, mais ils ne se mettent pas debout, à part les jeunes qui ont dit non. Mais ils sont allés jusqu'à l'extrême. Est-ce que... Moi, les jeunes, M. Kayembe, je les comprends. Je suis moi-même, si vous connaissez mon parcours, j'ai organisé des manifestations à Paris. Je suis d'accord avec tous ces jeunes sur le fond. Sur le fond, je suis d'accord avec eux.
C'est sur la forme que je peux diverger. Il y a d'autres façons de pouvoir mener ce combat à travers le boycott des produits, par exemple, à travers des manifestations pacifiques. Il y a pas mal de... La force ne justifie pas les moyens. Regardez à l'est du Congo. Beaucoup d'argent ont été injectés pour qu'on puisse balkaniser le Congo. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'à un moment donné, la violence ne paye plus. Aujourd'hui, même ceux qui soutiennent les Rwandais, les Ougandais, sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin dans la tentative, dans la stratégie qu'ils ont mise en place. Je pense qu'il faut plutôt aller frapper dans de bonnes portes, aller ouvrir les tiroirs qui contiennent les vrais dossiers de cette affaire. Et nous savons, vous savez là où vous êtes, comment ça se passe. Moi, je sais comment ça se passe. Mais il y a des gens qui font un travail considérable en douce et qui ne les rendent pas publics. On commence à voir petit à petit les résultats, mais seuls les historiens demain révéleront certaines choses. Il faut que nous arrêtions à mettre sur la place publique nos stratégies. C'est une guerre. On est en guerre. Et nous ne pouvons pas tout dévoiler publiquement. Est-ce que faut-il appliquer la force comme ça s'est fait actuellement chez les combattants? Donc, tout celui qui ne pense pas comme eux est un collabo, c'est un animal à battre. Moi-même qui vous parle, je suis victime de ça. Je ne suis pas partisan de la pensée unique. C'est dans la diversité, c'est dans la discussion qui jaillit la lumière. Je pense que nous devons avoir la capacité de transformer cette diversité en complémentarité. Nos divergences doivent à un moment donné nous permettre de se retrouver sur un point commun qui est l'intégrité territoriale du Congo. La première chose. Et après, tendre vers un état de droit. Dès qu'il y a un point commun, il faut que nous nous retrouvions auprès de ces points. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que qui, par bêtise ou simple ignorance, traite celui qui pense autrement des collabos et des traîtres. Encore faut-il apporter des preuves. Moi aussi, nous pouvons les rétorquer. C'est bien beau de tabasser les gens qui réfléchissent, qui émettent des pensées, mais le pays est agressé. Vous pensez qu'on peut mener une résistance à plus de 8000 kilomètres? Moi, je me prends à Kinshasa, sur place. Je mène le combat sur le terrain. Je suis d'accord avec mes jeunes, mais dans ces cas, il faut aller se battre directement au Kivu. Et que dites-vous de ces intellectuels-là qui se cachent derrière l'Internet, qui ne veulent pas s'exprimer pour l'avancement du pays, que le pays est agressé, le pays marque le plat, au moins encore, il est en train de régresser, il tombe dans un trou sans fond. Mais les intellectuels, quand vous leur dites, ils préfèrent dire, oh non, vous savez, moi, je ne veux pas me faire voir. Que dites-vous de ça? C'est l'ingratitude, non? Il y a une chose aussi que je déplore dans nos forums, et je pense que vous l'avez constaté, essayez de lancer un sujet qui n'a rien à voir avec quelque chose de sérieux. Vous allez voir le nombre d'interventions, des heures et des heures consacrées à ça. Mais des vrais sujets sérieux, personne ne répond. Ou quand on n'a pas de réponse, on insulte. C'est ça. Je crois qu'Internet est un outil fantastique, formidable. La preuve, vous êtes à New York, moi je suis à Paris, on est en train de parler du pays. Mais il faut que nous sachions l'utiliser à bon escient, nous sachions l'utiliser positivement pour pouvoir montrer au monde entier ce qui se passe au Congo. C'est d'ailleurs ce qui nous sauve un peu par rapport à ce qu'on est à nos activités. Hein. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne intellectuellement parlant. Et c'est ça la difficulté. Et quand tout le monde discute, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on risque de se télescoper ou de se disputer. C'est pour ça, d'ailleurs, moi, je ne réponds pas à certaines insultes, ça ne sert à rien. Il faut se mettre à la hauteur du droit. Mais c'est déplorable que nous disposons des outils importants de ne pas savoir l'utiliser à bon escient. Il y en a qui ont réussi à renverser le gouvernement, je pense au printemps arabe, par le biais de l'Internet, et nous ne sommes toujours pas en mesure de faire ça parce que tout le monde veut se croire politicien, tout le monde veut se croire élite, et tout le monde veut se croire journaliste, dès lors qu'il a sa caméra et un espace, un dog. Non. La plus belle fille du monde n'apporte que ce qu'elle a.
Je ne dis pas qu'il faut pas que les gens s'expriment. Au contraire. Mais il faut aussi savoir rester à sa place et aussi savoir apprécier les interventions des uns des autres et savoir aussi adhérer aux pensées des autres. Dès lors, on estime que ça va dans le bon sens. Ce qui nous tue, les Congolais, nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Nous n'aimons pas notre pays. Nous sommes jaloux les uns des autres. Moi, si je vois que M. Kayemba, son espace médiatique fonctionne bien, au lieu de lui proposer de travailler à ses côtés de son collaborateur, je fais tout pour le discréditer et que ces médias n'existent plus. À la place, je ne mets plus autre, je ne remplace pas autre chose. Voilà ce qui nous tue. Le problème des Congolais, le premier ennemi du Congolais, c'est les Congolais lui-même. Et il va falloir que nous apprenions à être patriotes et à apprendre à être démocrates, même si celui qui est en face de toi n'exprime pas la même chose que vous. Il faut voir qu'est-ce que cette adversité, dans le bon sens du terme, peut apporter au pays. C'est tout à fait exact. Alors, avançons un peu, parlons d'Addis Abeba. Il y a eu la réunion de l'Union africaine où on a cru que les autres États devaient venir au secours du Congo qui est injustement agressé, mais on a vu que c'était vraiment l'indifférence à ce niveau-là et tout le monde a cherché à mettre de l'argent dans le panier pour le Mali et oubliant les atrocités et des morts inutiles au Congo. Tout à fait. Je fais d'ailleurs une tribune là-dessus en me demandant s'il y avait deux poids, deux mesures entre le Congo et le Mali. Alors qu'on sait que le Congo, le problème existe au Congo depuis 15 ans au moins. Nous sommes victimes des querelles des uns des autres. Il y a plusieurs logiques qui s'affrontent et le peuple congolais est un don de la farce. Il y a une logique anglo-saxonne d'un côté, une logique francophone de l'autre. Il y a une logique SADC et pays des Grands Lacs d'un côté, une logique Afrique centrale de l'autre. Et c'est que le scopage fait que le Congo, avec une diplomatie moribonde, n'arrive pas à obtenir gain de cause. Comme par hasard, au moment où on veut que les forces de la SADC constituent une brigade qui sera sous la coupe des Nations Unies, on entend se venir dire que la MONUSCO fait du tourisme militaire. Comme par hasard, on entend les gens de la SADC dire qu'ils veulent intervenir sans la MONUSCO alors qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir mener des actions. Oui. Et comme par hasard, dans l'histoire, les pays de la SADC ont toujours été du côté des Rwandais, des Ougandais contre la RDC. On veut que ces pays viennent s'interposer sur notre frontière par rapport au Rwanda. Vous voyez que les victimes, c'est toujours nous. Et c'est pour cela que je suis partisan du dialogue État congolais. Quel est le problème congolais? C'est le Kinshasa et non à Kampala. Et peut-être à Addis Abeba, parce que dans un cadre inter-africain, mais pas à l'est de nos frontières. Si vous parlez de dialogue inter-congolais, est-ce que ce dialogue est nécessaire? Et si oui, pourquoi? Moi, je pense que face à l'adversité, si aujourd'hui le pays est fragilisé, parce qu'il faut le dire, il y a un problème de légitimité du pouvoir politique, il y a un président mal élu, élu par une minorité. Dès lors qu'il a été élu par une minorité, c'était évident, c'était prévisible qu'il allait avoir un mandat très très difficile, premièrement. Et deuxièmement, on est agressé à l'Est. Comment nous pouvons faire face efficacement à cette agression si nous-mêmes nous sommes désunis? Vous avez évoqué, il y a des Congolais qui sont prêts à aller du côté des agresseurs dès lors que le pouvoir en place est tombé. Moi, je pense qu'il va falloir que nous nous parlions, que nous lavions notre linge sale en famille en tenant compte de ce qui s'est passé à Santiti, avec un système 1 plus 4 qui nous a amené à rien. Il faut, s'il y a dialogue inter-congolais, il ne faut pas que ces dialogues-là permettent, aboutissent à un partage du pouvoir. Non, il faut que ce soit un moment historique qui nous peut nous permettre de mettre en place des institutions viables, efficaces, pour que nous ne puissions plus rester avec un État en faillite, avec un État absent sur l'ensemble du territoire, avec un État qui n'est pas en mesure
de sécuriser les territoires nationaux. C'est en plus dans ce sens-là et avec un système démocratique qui peut permettre à l'opposition de travailler sans qu'on puisse arrêter les uns et les autres et qui puisse permettre au Parlement de contrôler l'exécutif et non pour pouvoir avoir un gouvernement de transition ou je ne sais pas quoi. Voilà, moi, c'est dans cette et je vois ce dialogue intercongolais. Donc, vous voulez dire qu'il faudrait dégager un gouvernement d'union nationale? Pour quelle finalité? À la limite, même, je ne suis pas, moi, partisan d'un gouvernement d'union nationale. Ils disent qu'ils ont eu le pouvoir et qu'ils restent avec leur gouvernement. Mais par contre, si on peut avoir des élections crédibles sur tout ce qui est représentatif, pour permettre à ce qu'il y ait une opposition crédible, un Parlement qui fasse son travail, oui. Mais aller dans un gouvernement avec des gens qui ont failli, moi, je ne suis pas un preneur. L'opposition a commencé par demander ce dialogue. Dès le début, Kabila a souscrit à cela. Il dit, OK, dialogue sans condition. Et encore, l'opposition dit, il y a quelque chose de louche, comment ce monsieur peut accepter d'emblée d'aller au dialogue. Donc, il y a un jeu de cache-cache entre l'opposition et le gouvernement. Vous savez, M. Kayembe, je pense que vous n'avez pas lu mon dernier bouquin, Gikongo Kinshasa, les degrés zéro de la politique. Non. Je l'avais clairement dit qu'on va droit dans le mur. On finira par un dialogue intercongolais. Et ce qui nous importe, c'est la cohésion nationale. C'est ça. Dès lors qu'il y a cohésion nationale, dans tous les pays au monde, enfin, les pays où j'ai vécu, le chef de l'État et les chefs des partis de l'opposition se concertent quand l'intérêt du pays est en jeu. Oui, on ne parle pas de collabos, de traîtres, de tas de choses. Dès que les enjeux sont nationaux, ils se parlent pour savoir comment s'en sortir. Au Congo, voilà. Quand il y a une histoire comme ça, maintenant on commence à pointer du doigt. Et c'est pour cela que je parlais du degré zéro de la politique. Nous ne sommes pas politiquement encore mûrs. Je pense que dans certains dossiers, il doit y avoir concertation entre la majorité et l'opposition dès lors que ce sont des enjeux nationaux. Dans cet ouvrage, j'avais dit clairement qu'on ira vers un dialogue intercongolais pour qu'il y ait cohésion nationale. Alors, nous l'avons demandé nous-mêmes. Le président Kabila est devant le fait accompli. Et il accepte. Très affaibli. Voilà, il accepte ça. Moi, je trouve que c'est en son honneur. Maintenant, allons dialoguer. Ça ne veut pas dire que nous allons lui dire oui à tout. C'est exactement ce qui se passe à Kampala. Nous avons beaucoup de gens des choses à lui reprocher, à reprocher au gouvernement. Allons au dialogue intercongolais, disons-nous clairement les choses et voyons comment maintenant on peut repartir sur des bonnes bases sans pour autant nous accoquiner, être copains les uns avec les autres. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller dans ce dialogue-là, on se parle, on débalise ce qui ne va pas et puis on sort là et on laisse le gouvernement diriger puisqu'on sent vraiment que le gouvernement chancelle? Non, pour l'instant, on n'a pas encore vu ce que les débats. On n'est pas encore allé à ces dialogues. C'est en fonction des arguments que les uns et les autres vont avancer. C'est en fonction de ce qui va être dit qu'on verra quelle sera la solution la mieux placée. On ne peut pas revenir déjà à venir. Bien sûr que chacun aura une idée de ce que ça peut être. Les uns et les autres ont leur projet. Mais on va confronter tout ça pour voir ce qui est possible. C'est à nous de trouver une autre voie. Toutes les démocraties du monde ne peuvent pas se rassembler. Chaque pays doit trouver son système politique par rapport à ses spécificités et par rapport à la complexité de sa situation. C'est ça. C'est en échangeant qu'on trouvera les voies et moyens pour conduire à bon port notre pays. Quelle proposition faites-vous concrètement? Puisqu'il y a 3 ans qui restent pour les gens qui sont au pouvoir, c'est-à-dire 2 ans d'activité et 1 année de préparer les élections. Et il semble le bruit par-ci, par-là, qu'on cherche à faire des remue-ménages de la Constitution pour qu'il continue avec un 3e mandat. Bon, moi, je pense que il est un point sur lequel nous devons être intransigeants. Et d'ailleurs, la Constitution nous dit c'est le renouvellement du mandat du président de la République. Il ne faut pas qu'on touche à ça. Déjà, si on touche à ça, c'est anticonstitutionnel. C'est une clause qui est déjà bloquée. Pour le reste, dans tous les pays au monde où il y a eu des élections, on peut dissoudre l'Assemblée nationale. Dès lors, on trouve qu'il n'y a pas de cohésion nationale, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça,
après les dialogues intercomplets, libres à ceux qui sont en place de s'estimer qu'ils ont dissous l'Assemblée pour qu'on puisse repartir avec d'autres élections. Ça, c'est leur problème. Mais en tout cas, pour ceux qui ont du mandat présidentiel, il ne faut pas qu'on touche à ça. C'est un acquis considérable. Voilà. Donc, on ne peut pas non plus tenir à des présidents. Hein. Allons un peu doucement et lentement vers la fin de notre émission. Quelle analyse vous avez fait, et vous l'avez évoqué à un certain moment, quand il s'agit de problèmes très sérieux du pays, l'intellectuel congolais semble se rétracter. On a eu un problème qui a secoué la classe congolaise, pour ne pas parler du traité de Nice. Qu'est-ce que vous avez fait comme analyse? Ah oui, en tout cas, c'est consternant parce que avec tous les juristes, moi je ne suis pas juriste, tous les juristes qu'on a, tous les professeurs d'université, c'était le moment pour eux de parler clairement de cette affaire. Et comme par hasard, on nous a sorti cette affaire au moment où il y a des enjeux importants au pays. Pour amuser la galerie, on nous parle des traités de Nice. Il me semble que pour tout ce qui relève du foncier au Congo, la terre appartient aux familles. Et il y a une loi, d'ailleurs, qui existe pour régler ces problèmes, c'est la loi Bagajika. Ouais. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut se baser pour essayer de voir la problématique des traités de Nice. Et j'attendais nos juristes pour qu'ils interviennent. En tout cas, ils se sont inscrits aux abonnés absents. Ils sont toujours absents dans les débats nationaux. Et après, ils nous brandissent leur grand diplôme. Maintenant, l'idée, parce que quand on voit un peu l'ensemble de ce qui s'est passé, on comprend. Mais maintenant, l'idée en soi, est-ce qu'on peut vendre une partie de terre pour des raisons telles que aider le peuple qui est en difficulté? Je pense que sur le fond, hein, la démarche en elle-même n'est pas quelque chose de dramatique. Il y a des accords qui existent entre des États. Mais c'est la façon dont ça a été formulé, c'est la façon dont ça a été diligenté, il y a un problème. Je pense qu'ils pouvaient passer, ils passent des accords pour condamner par rapport à la jouissance d'une superficie, par exemple. Qu'est-ce que nous attendons? C'est que nous construisons nos routes, c'est que nous ayons des corps. Faire des hôpitaux et que nous puissions donner à nos enfants la technologie ou l'intelligence la plus parfaite possible. Si on a des apports pour permettre à une structure de s'installer chez nous pour X temps, en contrepartie, nous avons quelque chose, pourquoi pas? Mais je pense que ça ne peut pas. Ce ne sont que des apports qui sont des gens qui n'étaient pas au pouvoir. Et ces choses-là doivent passer par référendum ou alors qu'ils passent devant les parlements. Ça ne peut pas se faire comme ça. Quatre individus ou quel groupe d'individus pour pouvoir hypothéquer l'avenir d'un pays. Non, il y a des instances habilitées à se pencher sur ce genre d'accord. Monsieur Gaspard Hubert, je pense qu'on a décortiqué l'essentiel de nos sujets, les trois sujets qu'on voulait parler. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Un, au peuple congolais de la diaspora, et puis au gouvernement congolais. D'une part, par rapport à la diaspora, je la félicite par rapport à tout ce qu'elle fait, aussi bien sur le plan de la vie privée des uns et des autres, par rapport au soutien en amis, aussi bien sur le plan militant, parce que peu importe nos imperfections, nous, Congolais de l'étranger, mais nous avons manifesté quand même l'amour d'une manière ou d'une autre envers notre pays. Parce que je n'ai jamais vu autant de mobilisation auprès des Congolais de l'étranger depuis que le pays a été agressé à l'Est. La seule chose que je pleure, c'est l'intolérance. C'est quand on n'a pas le même discours, le même langage, on commence à dénoncer l'autre. Non, nous ne sommes pas encore parvenus. Donnez-nous la main pour pouvoir sauver le pays qui est notre étage même. Par rapport au gouvernement, je pense qu'il a intérêt à exclure systématiquement les Congolais de l'étranger. Rien de plus injuste que lorsque le gouvernement d'un pays génère lui-même des injustices. Je crois que le pays appartient à tous les Congolais et nous avons tous des droits et des devoirs vis-à-vis de ce pays.
Et c'est la seule chose que nous demandons, c'est qu'on puisse reconnaître les droits des Congolais de l'étranger. Il faut qu'il y ait représentativité des Congolais de l'étranger, il faut qu'on ait des députés et des sénateurs des Congolais de l'étranger. Il faut aussi que nous soyons électeurs comme tout Congolais. Ok, en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier très sincèrement, M. Gaspard Hubert Lonsikoko. Ce n'est pas la fin. Je suggérerais qu'on puisse nous retrouver dans le cadre de vos écrits, qu'on présente vos réflexions sur ce que vous connaissez du Congo, puisque vous avez fait un travail de titan et vous êtes allé même plus loin où vous voulez servir ce pays-là, sur place au pays, contrairement à ceux qui parlent sur Internet sans descendre sur le terrain. Nous sommes très grés d'avoir des grands Congolais comme vous et nous espérons que vous allez parler davantage aux Congolais pour qu'ils suivent l'exemple que vous avez. Et je vous remercie aussi pour ce que vous faites. Permettre aux uns et aux autres de parler du pays, d'échanger, et que comme ça, dans l'échange, dans les dialogues, que nous en tirons. Et je reste optimiste. Je pense que dans les années à venir, on vivra un grand Congo. J'en suis convaincu. Merci et toutes les bonnes choses. Merci. Ok, auditeurs, auditrices, vous avez bien suivi. Notre émission avec Monsieur Gaspard Hubert Lonsi, c'est un écrivain politique. Il fait tout pour exprimer ses idées et surtout faire parler aux Congolais, mais les Congolais ne lisent pas malheureusement. Essayez de vous procurer ses écrits, essayez d'en débattre et c'est de cette manière seulement qu'il contribue au Congo et contribue aussi à ses œuvres en l'encourageant, en les achetant et en débattant de ses idées. Merci, c'était donc AMB depuis New York City sur la voie de la démocratie congolaise. À la prochaine. Congolaise, à la prochaine. Congolaise, à la prochaine. Congolaise, à la prochaine. Congolaise.